partie photo qu'on a fait là, et vous avez à peu près une partie plus orientée, plus naturaliste. Donc je ne sais pas s'il y en a, il y en a qui sont intéressés, vous avez Romain qui est là, qui est Nature à 2000 et qui peut vous expliquer si vous voulez avoir des informations sur le... qu'on vient exposer ce magnifique festival. On est vraiment très très heureux de l'accueil, de l'ambiance, et c'est un événement fantastique. Dorota, mon épouse, est photographe également, mais elle est polonaise-américaine et c'est la première fois qu'elle découvre la région. I love it. C'est au nord du Canada, au Manitoba, et on était à la recherche d'une expérience intimiste et différente avec l'ours polaire, que l'on voit souvent sur la banquise habituellement. Et nous, on voulait ces moments de complicité entre la maman ours et ses jeunes. Non, on n'est pas du tout en affût, on est en terrain découvert. On était accompagné de guides locaux, des Indiens Cris, qui nous ont aidés à trouver les indices de présence de la maman ours. Une fois que la maman ours avait compris qu'il n'y avait aucune menace pour ses jeunes, qu'on n'était pas un danger, elle nous a vraiment tolérés, acceptés dans son environnement. C'était le côté magique de cette expérience. C'est d'être à cette distance, on était à une centaine de mètres environ, et on le voit sur les photos, la sérénité, la tranquillité de l'animal avec ses jeunes ours. Et c'est au travers de ces belles images qu'on suggère le message de protection et effectivement de sauvegarde qu'on doit avoir par rapport à cette espèce. Là, cette année, c'est que des photos qui ont été prises en Camargue au cours des 4-5 dernières années. Il y a beaucoup de photos qui ont été prises en ULM, et c'est des salins de Camargue, donc salins d'Aigues Mortes, salins de Giraud, qui ont été filmés avec un ULM à peu près à 120-150 mètres d'altitude. Et le but de cette expo, c'était le graphisme, et puis d'avoir des photos assez picturales, quoi, et un peu comme des tableaux abstraits, quoi. Au niveau environnement, est-ce que tu t'aperçois de changements? Alors, au niveau de la Camargue, non. À part que les oiseaux migrent peut-être à des périodes un peu différentes, mais au niveau des salins, il n'y a pas de changement. À part un petit peu que, si quand même un petit peu, ça, la production de sel est un peu avancée. Par contre, là où j'ai beaucoup vu la différence, j'ai la chance d'aller de temps en temps dans le nord, et j'ai vu une différence énorme aussi bien au Spitzberg qu'en Islande avec les glaciers qui fondent à une allure incroyable. Et là, c'est vraiment catastrophique et ça fait peur, quoi.